j'espère que tu vas bien. Moi, je meurs d'envie d'être en été, alors j'ai concocté aujourd'hui une recette ultra facile et délicieuse pour être un petit peu en été avant l'heure. Et aujourd'hui, donc, ça sera la margarita. Donc, la margarita, c'est un cocktail hyper simple qu'on oublie un petit peu trop souvent, à mon avis, et qui vaut vraiment le coup. On fait une petite collerette en sel pour le frapper et puis voilà, et puis c'est fait en 5 minutes top chrono, c'est délicieux. Surtout n'oublie pas de t'abonner, de lâcher un max de pouces bleus. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette et à la vôtre. Alors on va commencer par couper les citrons en deux, puis on va les presser. Donc il va falloir 2 centilitres de jus de citron par verre. Ainsi qu'un petit peu plus pour décorer les verres. Une fois qu'on a notre jus, on va en verser une toute petite partie dans une assiette et on va remplir une autre assiette avec du sel. Donc on va former un disque de manière à pouvoir tourner les verres dessus sans problème. Donc on trempe d'abord le verre dans le jus de citron vert, puis on va le tremper dans le sel, donc ça va nous donner un super bon effet râpé à la dégustation. Ensuite, on va prendre des glaçons. Donc là, c'est à votre discrétion. Je vous conseille d'en mettre beaucoup parce que c'est le seul moyen de rafraîchir le cocktail. Et donc, on remplit le verre du shaker avec ça. On rajoute l'équivalent de 2 centilitres de jus de citron par verre. Puis, on va rajouter 5 centilitres de tequila. Puis, 3 centilitres de soit Cointreau, soit n'importe quel autre triple sec. Une fois qu'on a le mélange dans les bonnes proportions, on va mélanger bien bien fort. Et vous voyez, normalement, il y a de la buée qui va se former sur votre shaker, qui va vous montrer que c'est bien frais, bien bien secoué. Donc on va mettre le filtre de manière à éviter que les glaçons tombent dans le cocktail. Et il n'y a plus qu'à décorer. Donc on va prendre un citron vert qu'on coupe en quartier. Et on va faire une petite entaille dans chaque petit quartier. Et il n'y a plus qu'à le déposer sur le bord du verre. Et on ajoute des petites feuilles de menthe pour la déco. Voilà, le cocktail est prêt. Alors j'espère qu'il vous plaira. Si c'est le cas, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu et de t'abonner. À très bientôt pour une nouvelle recette.